Salut et bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien et on se retrouve pour le 33e épisode sur Final Fantasy XVI et on reprend dans le palais souterrain qui était en dessous du cristal mer Croc-Drac et on se dirige vers cette porte et on a d'autres combats, une liche, j'aime pas les liches, elles faisaient mal. On va essayer de le faire plus de dégâts possible. Ah, je suis trop tôt là. Ah, je suis revenu en arrière. Aucune de ces deux portes? Je viens d'arriver de là, non? C'est quoi la logique? C'est pas par là du tout? Ah, faut partir par là ou par là? Pilote porte, elle est traversable. J'imagine que non. Ouais, c'est ça. Porte décorative. Yeah!
Ça va, on n'a pas pris trop de dégâts. Bénédicte, on l'a nos subete. Oh, on m'a émoussé au coin du Luca. Hugo! Plante-le au lieu d'attendre. Il y a deux Joshua ou quoi là? Je suis perdu. Pas de main. Ah, il y a des nouveaux mains. Nouvelles.
Allez, il est brisé là. Compétence, gération sulfureuse, apprise. Ok, c'est plus vraiment des éboulis ça. Alors... apprentissage de technique ennemie, giration sulfureuse. Ifrit vient d'apprendre la compétence giration sulfureuse de Titan. Il est possible de déployer une barrière magique autour de soi pour se protéger en maintenant R2 et carré. Si une attaque touche la barrière magique ou si vous relâchez R2 plus carré, celle-ci explose infligeant des dégâts aux ennemis environnants. En maintenant R2 plus carré pendant giration sulfureuse, une jauge indique la puissance de l'explosion qui sera augmentée en atteignant une certaine la zone colorée. Ok, il est également possible d'annuler la barrière en appuyant sur X. Il allait attaquer comme ça devant lui. Ok, il fait un coup, puis après il écrase.
Oh, excellent. On joue à Panzer Dragon. Ah là, faut sauter. Mais saute! Non, je fais trop d'actions en même temps, je fais comme ça.
grande phase. Il a fait une bonne quoi. Ah mais j'ai sauté là. Photo. Reçu un dégât.
Allez, Divine Comedy. Boum, momentum. Millions. C'est pas évident des petites attaques comme ça.
merde, je pensais qu'il était de l'autre côté. Tabarnouche, quel combat épique! Allez, esprit de noyau. Tant qu'à faire. アルテマ。何のつもりだ。人の生み出したる自がありしといえども、力を求めるは貪食の差があればこそ。
力を下って汝は、ここまで政治苦した間もなく完璧なる我が器となろう。貴様は何を言ったろう。それが汝の天命だ、ミートス。我を受け入れ、この断りから逃れることはできぬ。そう決して黙れ。 自我を剣をとしている。汝の自我を消せば器の本分を取り戻せるかと思ったが、まとわりつく全ての思念を断ち切り、泡沫に変えねばならぬようだ。創生が始まる時を待ちながら一作講じるとしよう。汝のために。 ジョシュはどこに？ ドミナントとはいえ、大量のエーテルを取り込めるはずがない。ましてやその力を強めることなどあるわけがなかろうに。もう少し狡猾な男かと思っていたが、タイタンも噂ほどではなかったということか。それほどまでにバルナバス様、 ミュトスの力が勝っていた。この5年、空国プカは復讐のために生きてきた。その歳月が一周されたのが、戯れごとにすがりの衆。人は自らを頼みに変わることなどできぬ。神の力に頼るのも同様。 クリスタルの消えゆく様は、 かくも美しいものか。 Un destin fut. Quartier général de l'Ordre des Saints-Dragons. しつこい娘だな。帰れと言っているだろう。御身をおいたわりください、殿下。ダルメキア軍を牽制するならどうか、青竜騎士団にご命令を。バハムートのご意向をお借りするまでもございません。このままでは殿下のお体が。 すでにダルメキアとは停戦に合意したというのに、ゲーカは奴らを焼けという。
その意図がわからぬうちは、こうやって時を稼いで真意を探るほかあるまい。それに、バハムートはザンブレクの象徴だ。その翼を見せるだけで、民も安心してくれよ。おお。すまない、テランス。そなたに従者の真似など。すまない。ディオン様のためならどんなことだって。もしもダルメキア軍が不満を募らせ停戦協定を破棄し再侵攻すれば、北部に陣取る我が軍は迎撃のために南下すると、南部から侵攻してくる奴らとは当然ここでまみえることになる。守備もままならぬ自治領島内での開戦だ。民への被害は免れない。それだけは何としても避ければ。それでも不幸中の幸いでした。タイタンと戦わずに済んだのです。ゲーカはなぜこのような決断を。失礼いたします、殿下。何事か。オリビエが信仰に即位だと。一体どういうことだ。父上は何と、ゲーカは何と言っておられる。申し上げます、殿下におかれましてはこの場にて待機せよと。何なりと。新皇宮へ行くぞ。承知しました。今度は何だ。手荒な真似をしてすまないね。貴様はよせ。テランス、そのものはフェニックスのドミナントだ。近寄るな、焼かれるぞ。取り込み中だったかな。いや、気にすることはない。珍しい来客にいささか驚いただけだ。何年ぶりかな。記念式典以来だから、20年。死んだと聞いていたが、そこにいるのは亡霊か。似たようなものかもしれない。でもこうして生きている。かろうじてね。さて、ディオン・ルサージュ卿、あなたに話がある。Mais non, on veut savoir. Oh. Bon. Ben ça, après ce combat épique
et ce bout de narration intriguant. Donc on va s'arrêter ici pour cet épisode. Alors j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Coche la cloche pour ne rien manquer. N'hésite pas à mettre un commentaire et partager la chaîne avec tes amis. Et quant à moi, je te dis à de prochaines aventures. Ciao. Bye bye.